Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Jean-Bernard Hébé, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Perry Cochin, Annie Lemoine et Gérard Miller. Je ne sais pas ce que vous nous préparez, Gérard, mais je ne vous ai jamais vu avec autant de dossiers devant vous, alors. Écoutez, il nous a été demandé de préparer attentivement nos émissions. Oui. Je les prépare maintenant 24 heures sur 24, c'est tout. Mais vous avez quoi, là, le quiz? J'ai des références, des livres. Il a surtout son dossier médical. Perry Cochin, prête à toutes les gaffes, comme d'habitude? Absolument. Vous pouvez compter sur moi. Mes parents, ils vous aiment bien, mes parents. C'est vrai. Ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais alors, qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie, ils m'ont dit. Bah oui, mais ça a son charme. Mais gaffe et conneries, c'est pas la même chose. Alors, raconter des conneries, c'est ce que c'est Stevie fait. Non. Sans toi. Alors là, ma chérie. Mais non. Mais c'était pour dire quelque chose. Stevie, raconte pas des conneries. Il dit des conneries, mais c'est pas pareil. Ah non, il y a plein de nuances. Il y a des nuances, c'est vrai. Hier soir, racontez un peu, c'était les 7 d'or. Voilà. Nous étions quelques-uns d'entre nous à la soirée des 7 d'or. On y était. Mais c'est vrai qu'Annie Lemoine, vous étiez bien placés hier. Hein. Toujours. Voilà. Ah oui, 4 magnifiques garçons. Magnifiques. Les garçons de Opération Séduction. Je sais pas. C'est ça, Opération Séduction. Oui, bah ça je l'ai appris. Ou L'île de la Tentation, peut-être. Je sais pas. Non, une non, merde, non, mais bon, Opération. Enfin, c'est en tout cas. Opération Séduction. Opération. Je me suis renseigné. Vous avez enquêté depuis, je vois. Hein. Et oui. Alors hein, bah, ils ont gagné, c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont gagné dans le jeu, c'est normal, ils étaient charmants. Ah. Bon, alors avec lequel vous êtes rentré, c'est ça qu'on veut savoir. Mais vous vous faites passer pour une moins que rien dans cette émission. Sa réputation l'a précédée, donc elle est rentrée avec aucun garçon. Voilà, non mais c'est terrible, moi qui vis d'une façon monacale. C'est vrai. Attention, comme tout le monde monacale, pour une monacale, ça veut dire oui, comme un moine ça... ou comme Stéphanie de Monaco. Il est temps de passer à la photo du jour, vous êtes d'accord Jean-Bernard? Non, absolument. La photo du jour, c'est celle du nouveau Matrix, celui qui lutte contre la force supérieure qui nous gouverne et nous manipule, le Keanu Reeves français. Regardez, oui, regardez plus près, François Bayrou. Arrivera-t-il à sauver l'UDF face à la matrice UMP? Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, celui qui essaye d'éviter les balles, c'est plutôt Jean-Pierre Raffarin. Sauf qu'il a rien compris, Raffarin, à Matrix. C'est pas en avant qu'il faut se pencher pour éviter les balles, c'est en arrière. Vous avez vu Matrix? Moi, j'ai vu les trois. Non. Si, si, j'ai même vu hier, en avant-première, le numéro 3. Ah oui? Et alors, l'histoire, elle est assez simple, en gros. C'est, ah bon? Oui, est-ce que Neo, c'est-à-dire Keanu Reeves, est Dieu? En gros, c'est-à-dire, est-ce que l'esprit, la paix, l'amour, aime ton prochain, va gagner sur l'univers des machines et des ordinateurs? Oui, c'est les gentils et les méchants, quoi. En gros, c'est les gentils et les méchants. Pas du tout. Ah, il y a une autre explication. Ce qui est génial dans le numéro 2, c'est qu'on comprend dans le numéro 2 que Dieu et son appareillage, c'est peut-être une invention des machines pour perfectionner leur système. C'est oui, ça qui est très qui drôle. Mais moi, numéro 3, je connais la réponse. Ta gueule. Voilà. On en reparlera de Matrix, évidemment, cette semaine, ça sort demain. Une autre photo, celle de Michel-Édouard Leclerc, qui a pensé à utiliser le nom de Roselyne Bachelot, vous le savez tous maintenant, vous avez vu la pub, pour faire sa propre publicité à lui, Édouard Leclerc, contre les sacs plastiques. D'autres directeurs de grandes surfaces, hélas, vont sûrement suivre cet exemple, avoir la même idée, utiliser un nom d'homme ou de femme politique, par exemple. On va bientôt voir ça, regardez. Monsieur Sarkozy, je soutiens votre action. Grâce à vos radars et vos contrôles de police, c'est le rêve. On vous voit dans tous les carrefours. Hein? Pourquoi pas? On pourrait aussi imaginer... Madame Boutin, je soutiens votre action, parce que vous aussi, vous pensez que chez Cato, il y a tout ce qu'il faut. Ou même encore, Madame Laguiller, Monsieur Besancenot, nous soutenons votre action parce qu'enfin réunis, vous formez un super U. Une dernière pour la route. Absolument. Monsieur Jospin, nous soutenons votre inaction sur l'île de Ré, mais nous savons très bien qu'un jour vous reviendrez au continent. On l'a dit hier, je crois, mais il paraît franchement qu'elle n'a pas donné son accord, Mme Bachelot, pour que son nom soit utilisé dans la pub de cette marque de supermarché. Ça la sert, vous pensez? Ah bah oui, vraiment, c'est devenu une star, regardez.
C'est elle qu'on voit en photo là? Non, non, c'est un sac, mais c'est pas une robe. Ouais. Soutenez là, Isabelle. C'est je la soutiens, je la soutiens. Qu'elle peut se mettre elle-même dans un sac et. Non, c'est ce que je venais de dire. Alors. Ce que j'aime bien chez Bastos, c'est sa détermination. Elle a précisé que jamais elle ne changerait de tenue. On a beau se moquer de ses fameuses tenues roses, elle reste comme ça et je trouve ça plutôt sympa. Vous savez pourquoi elle a des tenues aussi fluo, en fait, Mme Bachelot? C'est parce qu'avec toutes les autorisations qu'elle donne aux chasseurs, elle a la trouille de sortir la nuit, tu comprends? Une autre photo. Celle des fameux radars. On en parle, hein, de ces radars automatiques. Puisque, après nous avoir dit que certains avaient été saccagés, vous vous souvenez que d'autres ne fonctionnaient plus quand il pleuvait, on apprend maintenant ce matin que les 4000 PV dressés depuis leur mise en service seront peut-être contestables à cause d'un décret publié trop tardivement au journal officiel. Si ça continue comme ça, demain on va apprendre que les photos des automobilistes flashés ne sont pas utilisables parce que les radars ont mis leur doigt devant l'objectif. Bref, on va finir par croire que c'est Roselyne Bachelot qui les a fabriqués, ces radars. Finalement, dans la publicité autour de ces radars, on se demande si c'est pas le gouvernement qui est pas allé trop vite. Autre photo, celle de la fameuse croisière Gastro, oh le là. Fameux paquebot Aurora qui, après avoir été interdit d'accoster en Grèce, s'est vu aussi interdire l'Espagne, puisque vous le savez, 430 passagers souffrent à bord de ce bateau d'une gastro-entérite. Et d'ailleurs, regardez dans la presse, on les suit à la trace à travers la Méditerranée. Aucun pays ne veut les recevoir. Dites, si vraiment ils ont tout gardé à bord, bonjour la croisière paquet. Hein. Il y a un film catastrophe qui est déjà en train de se tourner sur l'histoire de ce paquebot. Ticolique, bientôt sur vos écrans. J'ai honte. Non mais, hey, c'est incroyable. On croit qu'ils ont la peste. Alors qu'ils ont que la chiasse, je veux dire. C'est vrai. Ça nous rappelle notre voyage en Égypte, à Péri. Oui, enfin, vous étiez concerné, pas moi. Ah, on était 10 concernés sur le bateau. Oui, hein, moi, j'étais pas malade. Et je peux vous dire que c'était pas agréable d'être avec vous tous les jours. Ah, je vous remercie. Il y a des voyages qu'on regrette vraiment pas de pas avoir fait. Hein. Ah, on y est tous passés. Tous. Sauf Jean Benguigui. Ah, Jean Benguigui, c'était le contraire. Parce que moi, je me souviens un jour, je courais parce que ça devenait pressant. Et puis, il y a quelqu'un à l'intérieur, je frappe. Je dis, dépêchez-vous, j'ai la chiasse. Et à l'intérieur, j'entends Benguigui qui fait, vénard. Et tu crois vraiment que ça intéresse les Français? Non, mais absolument. Mais les Français, ils sont au courant. Allez, on change de sujet. Oui, d'accord. Mieux. Une autre photo, celle de Raffaella, le Gouvélo. Vous l'avez vu certainement sur tous les écrans hier soir et dans toute la presse ce matin. Notre véliplanchiste bretonne qui a traversé le Pacifique depuis le Pérou jusqu'en Polynésie en 89 jours. Après 8200 km sur une planche à voile, hier, elle est donc arrivée à Papété. On espère que c'est la même chose pour les passagers de la croisière. Est-ce qu'ils n'embauchent pas à Star Academy? Parce que j'aimerais bien changer d'émission si c'était possible. Dites plutôt un mot sur cette fille courageuse qui a fait cette croisière. On lui a rien demandé en même temps, mais enfin bon, qui a traversé le Pacifique, c'est pas mal. Mais moi, j'adore ce genre d'exploit. Oh, c'est oui, vrai? C'est génial. Oui. Moi, c'est le genre de choses que je pourrais peut-être tenter un jour. Ne tentez pas ça parce que vous, sur une planche, ça fait ton sur ton. Si tu continues comme ça, un de ces quatre matins, je vais enlever mon t-shirt. C'est ce qu'on veut. Mais oui. Et je vais montrer que c'est faux ce que tu racontes. Mais je sais que vous avez de jolis petits seins. Absolument. Voilà. Très mignon. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Non, je suis atterré par le début de cette émission. Ça, alors. Je me demande si nous allons réussir à relever le niveau. Mais oui, regarde tous tes bouquins, tu vas y arriver. Ah bon, on termine par les 7 d'or, Gérard Miller, d'accord ? Ah oui, cérémonie qui se déroulait hier soir à l'Amnésia. On va vous en reparler en fin d'émission. Sachez d'ores et déjà que Star Academy a obtenu le 7 d'or de la meilleure émission de télé-réalité. Je trouve que c'est mérité, en tout cas, pour tous les candidats de la Starac. Hein. Comme ça, ça leur fait une récompense, parce qu'ils ne sont pas prêts d'obtenir une victoire de la musique quand même.
Le 13 octobre dernier est sorti Variations sauvages aux éditions Robert Laffont, le livre d'Hélène Grimaud, cette pianiste française renommée dans le monde entier. Dans son ouvrage, elle raconte son itinéraire de musicienne hors pair et révèle évidemment sa fascination, on le sait, pour les loups. On les voit sur la couverture. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'ils sont en train de la bouffer, la couverture, les loups, là. Aujourd'hui sort aussi, signalons-le, Credo, le nouvel album d'Hélène Grimaud. Nous allons donc tester ensemble pour ces deux raisons-là notre invitée maintenant, Hélène Grimaud. Bonjour, bienvenue. Oh, vous avez une cogne, vous, alors, hein? Ah bah c'est sans doute la déformation professionnelle. Ah, c'est fou, ça. Je savais pas que les pianistes avaient une main aussi. Je pensais qu'au contraire, c'était des doigts et des mains assez agiles, souples. De toute façon, la main, ce n'est que la continuation. Ce n'est qu'un outil. Donc, ça part d'ailleurs. Vous êtes une femme forte. Merci. Je sais pas, c'était une question, c'était pas un compliment. Pour moi, ce qu'il y a de plus attachant chez les gens, c'est la vulnérabilité. Alors vous êtes servi. Il y a ce qu'il faut sur le plateau. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir raconté votre parcours, votre vie dans ce bouquin Variations sauvages chez Robert Laffont, parce que quelle vie incroyable, il faut bien dire. C'était un désir personnel, c'est un éditeur qui vous a fait la demande. Comment ça s'est passé, le parcours de ce livre, alors, plus précisément? Non, c'est mon éditeur, Stéphane Barzac, qui un jour m'a demandé si je tenais un journal. Alors j'étais réticente à lui montrer quelques pages parce que ça ne m'avait même jamais traversé l'esprit. Puis au fur et à mesure que j'ai appris à le connaître, un jour quand même, il est revenu à la charge et je lui ai montré quelques pages. Il me disait, je crois qu'il y a matière à peut-être à faire quelque chose, il faudrait que tu y penses. Vous tenez un journal quotidien? Pas quotidien, non. Ah. Il y a un disque aussi quand même, signalons-le. Il vient de sortir ce disque, Credo. Oui. Alors là, vous jouez du Bach, du Beethoven, mais aussi des compositeurs contemporains. Oui. John Corigliano. Très bien. Très bien, parfait. Et Arvo Pärt. 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 Arvo Pärt. Arvo Pärt. Arvo Pärt, partez. On va vous écouter et vous regarder, Hélène Grimaud, jouer au piano maintenant, au milieu, des loups, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un prélude en C majeur de Bach. Écoutons Hélène Grimaud. Je pensais que le prélude de Bach n'appartenait qu'à Morane. Non, il appartient aussi à Hélène Grimaud. C'est un extrait de ce compact disque. Il est temps de parler de votre vie et évidemment du livre, puisque c'est votre vie à travers ce livre. Il y a quelqu'un qui est impatient de parler. Pour la première fois, je vais lui donner la parole tout de suite parce qu'il m'a dit « qu'est-ce que je l'aime cette fille, qu'est-ce que je l'aime cette fille ?» C'est Stevie. Alors, qu'est-ce que vous aimez en Hélène Grimaud? Alors, je ne la connaissais pas. Je dois dire que c'est une grande découverte. Parce que quand j'étais jeune, je voulais faire du piano, mais malheureusement, ça coûtait trop cher. Donc, j'ai pas pu en faire. Et j'ai une passion pour les loups. Quand je les ai découverts, je me suis dit, mais cette fille et moi. Enfin, voilà, on a exactement les mêmes goûts. Et je me suis dit, mais quand je vais la voir en plateau, quand elle va repartir, j'ai très envie de repartir avec elle dans son univers. Que vous m'emmeniez. Enfin, j'ai lu le livre, je l'ai trouvé absolument bien fait, bien écrit. Alors, ça, c'est une chose que vous lui avez. J'ai dévoré. Hein. Est-ce que vous êtes prête à repartir avec lui? C'est ça la question. Parce que... La question, en fait, c'est. Est-ce que vous aimez les loups, mais est-ce que vous êtes prête à repartir avec un petit cochon aussi? Là, moi, j'ai vu une chose qui m'a fait rire et en même temps réfléchir, c'est à propos des hommes, ce que les hommes pensent de vous. Une pianiste, donc quelqu'un de pur, une musicienne classique, donc dotée d'un pouvoir intellectuel, lancée dans une carrière internationale, donc indépendante financièrement et libre de ses mouvements, jusque-là, tout va encore. Mais ajoutons l'élément « vivant avec des loups ». Donc bourré de fantasmes et de puissance sexuelle et mon physique, alors surgit tous les délires. Alors c'est quand même ça, je crois que ça résume toute votre vie. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans votre vie? Parce qu'on lit ça, mais après, il y a quand même un vide. Vous voulez en savoir plus? Voilà. Est-ce que vous faites fantasmer les hommes au point qu'ils sont en train de frapper à votre porte comme des c'est ça qu'il faut savoir le petit. Non, je crois que les hommes ont mieux à faire que ça.
Mais vous êtes célibataire alors? Non, je ne suis pas célibataire, je vis avec quelqu'un depuis 9 ans. 9 ans, ok. 9 ans, oui. Gérard Miller, vous l'avez lu, ces variations sauvages d'Hélène Grimaud. Alors, j'ai lu ce livre en écoutant le CD. Juste un mot sur le CD, moi qui ne suis pas mélomane, par rapport à la musique classique, j'ai une attitude très simple. Ou je m'en sens exclu, ou je me sens partie prenante de la chose. Avec ce disque, et je le dis sincèrement, on est absolument partie prenante, qu'on soit mélomane, je l'imagine, ou comme moi, qu'on soit profane. C'est un vrai plaisir que de vous entendre jouer. Alors, vous lire m'a touché pour une raison très différente de celle qui a touché Stevie. C'est que je nourris moi-même, et je n'en ai jamais parlé avec mes petits camarades qui s'en seraient moqués, une passion pour les loups. Et je trouvais incroyablement injuste qu'on puisse associer toujours le loup à la mort, à la dévoration, à l'injustice. Donc je suis ravi que votre livre permette de réhabiliter les loups, qui sont quand même parmi les animaux les plus admirables. Écoutez, je suis fier de vous. J'ajouterai Hélène, là vous l'avez compris, vous avez le choix, ou partir après avec Stevie, ou éventuellement, ou éventuellement parler des loups avec moi. Je vous ai apporté un cadeau que je vous donnerai tout à l'heure si vous avez un ordinateur. C'est un jeu très étrange qui s'appelle The Beast Within, qui est une série de crimes commis soi-disant par des loups. Mais en fait, et on s'aperçoit en fait que ce sont des hommes. Les hommes font endosser aux loups leurs propres crimes. Vous amenez des cadeaux oui, pour draguer maintenant. Absolument. Non, c'est la première fois que j'apporte un cadeau. À la différence de Stevie, c'est absolument désintéressé moi, de ma part. Genre, les hommes connaissent un peu, ils savent que... Non mais, attends, juste pour... Chérie. Je voudrais juste répondre à Gérard sur ce que tu dis. En ce moment, il y a un vrai... souci avec un loup qui est en Ardèche, qui pose des problèmes en France, tu peux pas nier que les loups... Mais t'es complètement à la masse, toi. Mais pourquoi? Bah, enfin... Mais c'est vrai. Attends, mais alors, c'est la nature, tu peux pas... On a fait un carnage avec les loups. Le mec là, qu'a tué en 1600 et des bananes... Mais attendez, on est en train de dépeindre... Une cinquantaine de gamins, ils mettaient ça sur le dos des loups. Stevie, tu as raison. Excuse-moi, le jour où c'est Bourriquet qui est attaqué par les loups, t'aurais une autre position. Chérie. Contrairement à Stevie, pour moi, en lisant votre livre, vous êtes une illuminée. Bon, elle a une enfance, elle raconte son enfance un petit peu rebelle. Je le conçois, ça, je trouve ça sympathique et touchant, c'est mignon. Mais tout d'un coup, je me suis dit, si un de mes enfants dérapait, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où vous avez dérapé, ou en tout cas, vous avez dévié... Mais c'est vrai, elle a dévié de ce qui est normatif, on va dire. Elle est sortie un petit peu de la norme des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais dévier de la norme, je crois que c'est une chance. Et moi, cette chance, je la dois à mes parents. Donc si vous avez un enfant, vous êtes peut-être déjà mère. Vous en avez déjà quatre? Ah oui, les quatre petits cochins, on les appelle. En tant que mère, c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, même si c'est certainement difficile à vivre pour un parent, parce qu'on se fait sans cesse de soucis, peut-être encore plus si on a un enfant qui se dirige dans une voie qui est peut-être moins orthodoxe que celle qu'on aurait pu souhaiter au départ. C'est quand même, je trouve, une chance. Il serait pianiste, je serais ravie, mais qu'il aille vivre avec les loups, je pourrais jamais aller le voir déjà, ça poserait un problème. Non mais c'est vrai, c'est quand même très très vous suspect. Vous verriez, c'est par la connaissance. Vous savez, parfois on est prêt à sauver que ce que l'on aime, on aime que ce que l'on comprend, et on comprend que ce à quoi on a été exposé. Donc si vous aviez un enfant qui vivait avec des loups, vous iriez lui rendre visite, vous apprendriez à connaître et vous aimeriez. Vous pensez pas que vous avez un côté en vous un petit peu déséquilibré quand même? Mais non, mais c'est vrai, vous pensez pas qu'il y a quelque chose... Il y a la folle qui vous demande si vous êtes déséquilibré. Non mais... C'est possible en France d'avoir un loup comme chien? Enfin, un loup comme chien, c'est difficile, mais... Juste en animal domestique, tu veux dire. J'ai un poisson comme chat. C'est possible d'avoir un loup en France, vous savez pas? Moi, j'adorerais en avoir. Non, Stevie, sans doute, ça n'est pas légal et il vaut mieux parce que finalement, la seule façon de garder un animal sauvage, c'est avec respect. Alors, on se dit, oui, bien sûr, on agit les uns les autres envers respect. Pas du tout, on est souvent en pilotage automatique. Vous savez, les gens vous parlent, une chose entre par là. Moi, je m'efforce de vraiment concentrer 100% de mon attention sur l'individu que j'ai en face de moi. Mais c'est vrai qu'avec les animaux, on a trop souvent l'habitude de les traiter comme, voilà, on les nourrit quand on a le temps, on les sort quand on a le temps. Ah non, pardon. Et c'est un autre... Ah, bravo. Mais quand même, c'est un autre échange. C'est-à-dire qu'on les prend, comment dire, on les prend pour dû.
Alors qu'en fait, le respect de l'autre avec un animal sauvage, on n'a pas le choix. Il s'adapte à notre vie et c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Voilà, on devrait avec nous... un animal sauvage, c'est vrai qu'il faut, voilà, dans le meilleur des cas avec les loups, il faut les rencontrer sur leur terrain à eux. Il faut discuter, il faut... Isabelle Alonso qui n'a encore rien dit. Mais oui, j'ai encore rien dit, je suis la première étonnée. Alors, on a la sensation que depuis que vous êtes toute petite, vous n'avez laissé personne choisir pour vous. Vous avez choisi un chemin qui est une recherche d'harmonie. Enfin, ce que vous racontez, ou quand vous êtes petite, quand vous avez une blessure au bras droit, vous vous faites la même au bras gauche pour être bien dans la symétrie, dans l'équilibre, dans la recherche de quelque chose de très structuré. Mmh. Et d'ailleurs, les sociétés de loups sont des sociétés extrêmement structurées. La musique est un monde extrêmement structuré. On a l'impression que pour vous rassurer, pour vous asseoir dans le monde, pour vous intégrer, vous avez eu besoin de construire autour de vous quelque chose qui vous rassure, mais vous n'avez laissé personne jamais choisir pour vous. Et je trouve que ce livre est un masterclass de vie. C'est-à-dire que si tout le monde sur Terre faisait ce que vous avez eu le courage de faire, refuser les compromis, refuser les demi-mesures, les timidités, on serait dans un monde magnifique. Et Stevie, il dit qu'il a envie de repartir avec vous. Moi, j'aurais envie de prendre tous les enfants que je connais et de les exposer à votre lumière, parce que je crois que ça les aiderait à grandir correctement. Merci, vous me faites un immense plaisir. Alors, c'est bien un livre, Variations sauvages, chez Robert Laffont, un disque où vous jouez du piano, on le sait, admirablement bien, mais la publicité. Est-ce que vraiment vous aviez besoin de faire de la publicité? Je vous ai vu ce matin dans un quotidien, regardez. Moi, je ne me suis pas vue. Ah si, si, regardez, c'est bien vous, ça. Non. C'est pas vous pour une banque, là, c'est pas vous, le petit chaperon rouge avec un loup? D'abord, ça n'est pas un loup. C'est pas un loup. Mais ça veut représenter un loup. Et puis voilà, on est encore maintenant dans le... Vous voyez tout de suite si c'est un loup ou pas, vous? Oui, ça n'est quand pas... Quand il y a un loup, vous le voyez, vous? Oui. Non, c'est pas vous. Ça, ce n'est pas moi, en tout cas, ça, c'est certain. Non, je vois bien que c'est pas vous. Pour en savoir plus, Variations sauvages, chez Robert Laffont, c'est signé Hélène Grimaud et son dernier disque, Credo. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on change de sujet avec une étude sur les patrons français, qui nous montrent que les patrons français sont les mieux payés d'Europe et leurs rémunérations sont souvent scandaleuses, c'est en tout cas ce que disent certains. C'est le cas notamment de Jean-Marie Messier qui, on s'en souvient, après s'être fait licencier, avait touché 20 millions d'euros d'indemnisation, une petite compensation pour voir venir, on va dire. C'est vrai qu'entre les welcome package, on va expliquer ce que c'est dans un instant, les salaires fixes, les salaires variables, les stock options et les golden parachutes, on précisera aussi de quoi il s'agit, eh bien les directeurs des grands groupes français ont, paraît-il, un étage rien que pour ranger leurs fiches de salaire. Est-ce normal? C'est tout le débat. Pour parler de ce sujet, on va accueillir le député de la Loire, UMP. Il préside la mission d'information sur les droits des sociétés. Voici monsieur Pascal Clément. Bonsoir, bonjour. Monsieur Cléant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec d'autres députés actuellement à l'Assemblée, vous auditionnez différents patrons. Vous avez déjà reçu monsieur Jean-Marie Messier, ex-PDG de Vivendi Universal, monsieur Bébéard de AXA, monsieur Pierre Bilger d'Alstom. Il a été très bien, monsieur Bilger. Oui, il a rendu. Il a rendu son argent. Et plus récemment, le patron des patrons, monsieur, je devrais dire le baron Ernest Antoine de Seyers. Je ne connais pas tout le nom à rallonge, mais en tout cas le patron du MEDEF. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion pour l'instant? Ce qu'on leur a dit et ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que nous sommes champions, vous venez de le dire, d'Europe, pour les rémunérations des patrons des entreprises cotées, ce qu'on appelle le CAC 40, les 40 grandes entreprises françaises cotées à la bourse. Alors on a dit que c'était trop et qu'il faut d'abord s'occuper un peu de la transparence parce que ce n'est pas du tout transparent. Alors ils expliquent qu'il y a la compétition mondiale, mais la compétition mondiale, c'est qu'ils sont payés mieux que des Américains ou autant que des Américains, alors que nos entreprises françaises n'ont quand même pas la taille des Américains. J'aimerais qu'on reprécise pour les téléspectateurs ce que c'est par exemple qu'un golden parachute. Alors golden parachute, en deux mots. Un parachute doré, c'est-à-dire quand vous partez, on vous donne une énorme petite fortune. Alors, si l'entreprise a particulièrement bien réussi, on pourrait l'admettre, mais généralement, c'est des patrons qui, justement, ont envoyé l'entreprise au mur, on comprend moins. Alors, pourquoi? C'est que dès le contrat d'embauche, ce qu'on appelle ab initio, on a promis à cette chef d'entreprise que s'il part pour une bonne ou une mauvaise raison, il aura cela. Mais c'est prévu en amont. C'est le cas de Jean-Marie Messier, par exemple. Alors, le cas de « je suis en train de bouillir », vous allez bouillir avec nous. Le problème est le suivant, c'est que Jean-Marie Messier avait toujours dit qu'il ne prendrait pas de « golden parachute »,
Et puis, comme on l'a mis dehors à un moment où, visiblement, il ne s'y attendait pas, il a souhaité, c'est ce qu'il est venu expliquer à la commission des lois, il est venu expliquer, enfin, il a souhaité vouloir parler devant l'Assemblée générale. On lui a dit, ben, on vous paye que vous n'alliez pas parler à l'Assemblée générale contre votre démission. Alors, ils ont signé, et ensuite, il se plaint parce qu'il n'a pas touché. Ça, c'est le Golden Parachute. Il y a aussi... Il y a le Golden Hello, je peux vous le souffler. Le Golden Hello ou le Welcome Package. Alors, ça, c'est pire, je trouve. Alors, c'est pire, je vais vous dire, vous allez voir là comment je vais conclure après, mais le Golden Hello, il s'agit de débaucher un patron qui marche très bien dans une entreprise où il fait des envieux. Et on va lui dire, venez changer d'entreprise, l'entreprise va moins bien. Le type, il dit, je ne veux pas. Vu comme ça? Eh bien, c'est comme ça. Alors, donc, il faut bien, le Golden Hello, c'est d'attirer un type qui n'a aucun souci dans la boîte qu'il dirige pour le faire venir à la tête d'une entreprise. Et on paye combien à peu près? Alors, ben, c'est comme les Golden Parachutes, c'est par des quelquefois 1 million d'euros, quelquefois 2, quelquefois plus. Ah non, mais 2 millions d'euros. Alors, vous bouillez, je vous donne la parole. Qui d'abord? Allez, Gérard. Je prendrai un seul point, Monsieur Clément. Dans ce pays, les grands patrons, qui sont peu nombreux, ont essayé de nous faire croire qu'ils avaient le goût du risque, que c'est pour ça qu'on les payait des millions, des milliards de centimes. Est-ce que vous mesurez que le conflit à propos de Monsieur Messier porte sur 20 millions d'euros, je vais le dire pour les personnes plus âgées qui pensent peut-être en France, c'est-à-dire plusieurs milliards de centimes d'indemnité? Et ces patrons nous ont fait croire qu'il fallait avoir une idéologie de risque, qu'il fallait être courageux, surtout pas des fonctionnaires. Lorsqu'ils arrivent, ils prennent des millions de centimes. Lorsqu'ils partent, ils prennent des millions de centimes. Si patient que je sois, j'ai envie de dire que c'est une honte que des patrons puissent, dans ce pays, toucher des sommes pareilles d'indemnité ou d'arrivée et dire aux salariés qui ne touchent pas le SMIG, il y a des millions de personnes dans ce pays qui sont en dessous du seuil de pauvreté et on m'explique que M. Messier, quels que soient ses mérites, risque de toucher 20 millions d'euros. C'est un des plus grands scandales de la France d'aujourd'hui. Ça, évidemment. Tout le monde est d'accord. Le succès est assuré parce qu'il y a peu de gens. Il y a le succès garanti, forcément. Alors, on laisse répondre monsieur. Monsieur Miller compare l'argent de ses hommes au SMIG. Il a raison. Vous savez, Georges Marchais, il y a 20 ans, disait « Moi, au-delà de 40 000 francs, je prends tout ». Bon. C'est vieux comme Hérode. Vous souvenez? Bon, on peut raisonner comme ça. Moi, je ressens de ma sensibilité, M. Miller, comme vous. Sauf qu'eux, ils ne se comparent pas au smigère, ils se comparent au chef d'entreprise, qui est une entreprise mondiale du même niveau. Ce que nous reprochons, ce n'est pas que ces gens gagnent plus que vous et moi, surtout moi d'ailleurs. Mais il est clair qu'ils gagnent même plus que la concurrence. Et c'est là où ça ne va pas. Alors nous demandons, je peux répondre déjà sur le problème de la loi. Bon. Ce que j'ai dit et ce que je répète volontiers, ce qui est courageux après la déclaration de M. Miller, où normalement j'aimerais me faire siffler, mais j'aimerais faire appel à la raison. Pourquoi nous ne pouvons pas légiférer sur le montant des rémunérations? C'est parce que, comme ce sont des entreprises nationales, demain matin, elle quitte Paris, le siège social fiche le camp, va à Luxembourg, va à Londres. On aura gagné quoi, M. Miller? Une pauvreté de plus pour la France, on a déjà quelques-unes. Il y a une loi qui datait de la gauche, la loi NRE, qui prévoyait que tous les patrons devaient donner le montant de leurs revenus. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une véritable opacité. Nous, ce que nous allons faire, c'est qu'on va rendre obligatoire qu'on puisse ou qu'on doive parler de la rémunération du PDG. Deuxième proposition, nous voulons que le montant soit connu de tous, y compris l'actionnaire, vous, moi, qui mettez quelques sous dans la maison, ce qui n'est pas le cas, et que le mode de calcul, parce qu'il y a salaire, il y a bonus et il y a stock option, le mode de calcul des trois critères de rémunération des chefs d'entreprise peut être connu et... non seulement connu, mais explicable. Et il est clair que là, cette transparence sur le montant, sur les critères, l'avis du Conseil de l'Assemblée Générale, croyez mieux, c'est mieux que de faire le coup à la Georges Marchais, défendu de gagner au-delà de 40 000 francs. Mais ça, c'est idiot. Ça, c'est de la démagogie. Donc je vous donne quelque chose de rationnel et qui va marcher. C'est plein de bonnes intentions, mais c'est insuffisant. Vive la transparence, très bien. Mais par exemple, la commission des finances de l'Assemblée vient de dire que les Golden Parachutes, ont décidé ça, ne seront pas taxés. C'est beaucoup d'argent, pourquoi on n'en prend pas au passage? Pourquoi le Golden Parachute n'est pas? Parce que quand vous êtes chef d'entreprise et qu'on vous vire et qu'on négocie votre sortie, vous voulez vous parler en net. Et si vous dites c'est imposé, comme en France c'est 50% le taux marginal, ils disent plus 50%. Qu'est-ce qui paye l'actionnaire? Jean-Bernard veut s'exprimer. Est-ce que les patrons sont des Français et des gens comme les autres? On le suppose. Voilà. Alors pourquoi quand un patron est viré, il n'a pas droit au chômage? Parce que c'est le droit commercial, on dit qu'ils sont ad nutum, c'est-à-dire un signe de la main, ils sont renvoyés par le conseil d'administration, d'où leur demande de Golden Parachute. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent au moment où ils rentrent d'avoir le chômage qu'ils auraient dû avoir s'ils étaient des salariés normaux quand ils seront virés. Donc,
les Golden Parachutes. Comme d'autre part, comme vous le dites si bien, ils sont taxés d'une façon plus élevée que dans le reste de l'Europe et en général dans le reste du monde, ils disent, nous, ce qu'on ne veut pas, surtout pas, ce sont des salaires, mais nous voulons des dédommagements qui, eux, ne sont pas taxables, c'est-à-dire les Golden Parachutes. Résolvez ce problème, mettez-les comme d'autres salariés, ils rentrent, ils sont payés plus parce qu'ils ont un poste de responsabilité, je n'y vois aucun problème, mais par contre, pas de Golden Parachute, des indemnités de départ comme n'importe quel autre salarié. L'idée est applicable ? L'idée est tout à fait applicable. Stevie, et puis après Isabelle et Perry. Ben moi, j'ai une devise. C'est tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. Ça résume le tout. Non, mais ce que je veux dire... C'est le gourou de Jean-Marie Messier. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais gamin, c'est clair que ça n'a rien à voir. Quand j'étais dans la pire des misères. Aujourd'hui, ça va mieux. Et ce que je veux dire, c'est que quelqu'un te propose des telles sommes d'argent, mais qui dirait non ? Même toi, Gérard, je te respecte énormément, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu défends les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais toi à côté t'en gagnes tellement plus qu'eux. Mais il y a des gens qui disent non. Tu acceptes cet argent. Alors les grands patrons, bon, eux c'est dans un niveau au-dessus parce qu'ils sont bien au-dessus de tout. Parce que c'est eux qui font 4,40, c'est eux qui sont en bourse, c'est eux qui créent, c'est eux qui donnent des emplois aux gens pour gagner leur vie. Je vais te répondre. Oh, je l'ai dit une fois, je me suis retrouvé une fois face à Jean-Marie Messier. Et je lui ai dit, vous gagnez des sommes invraisemblables, je gagne très bien ma vie, vous encore plus. Je ne vous le reproche pas de gagner autant, mais quand on gagne ces sommes-là, pas un seul instant, on doit oublier qu'il y a des gens qui sont payés quelques milliers de francs par mois. Et d'autres, ils ont toujours... Non, c'est-à-dire que quand ces grands patrons, Monsieur Clément, qu'est-ce qui fait ma colère ? Quand ces grands patrons qui gagnent autant d'argent nous expliquent qu'on ne peut pas augmenter le SMIC, qu'on ne peut pas augmenter les allocations chômage, là, je suis d'accord. Je suis scandalisé. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il vous. Faut dans ce pays c'est que ce certains qu'on appelle gagnent l'acceptabilité beaucoup. Du salaire du voilà. grand patron alors, par tout pourquoi, le monde. Pourquoi, depuis la publication, Monsieur Clément, pourquoi votre gouvernement, Monsieur Clément, je le dis très calmement, pourquoi votre gouvernement, Monsieur Clément, ne propose-t-il pas qu'on augmente les minima sociaux une fois pour toutes ? Ça vient d'être fait. Je vous signale au passage que le SMIC vient d'être fait de 14% mais 12% cette année. Isabelle Alonso. Je voudrais dire une chose, c'est que les statistiques sont absolument formelles depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Il y a de plus en plus de pauvres, non seulement en France, mais en général dans les pays riches, et les riches sont de plus en plus riches. Ce déséquilibre-là, c'est-à-dire de savoir dans un pays qui produit la richesse et comment on la répartit, si on ne fait pas attention à ce que la partie supérieure de la pyramide, ceux qui gagnent énormément d'argent, ne soit pas complètement en dehors des lois, il me semble à moi que la cupidité de ces patrons-là n'a pas de limite, parce que c'est vrai qu'il arrive un moment où gagner autant d'argent ne sert absolument à rien en termes de qualité de la vie, c'est un peu un fantasme. Et qu'une société... C'est vrai, ça sert à rien. On ne mange que trois fois par jour. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est dans une espèce de fin de système où les élites ne se rendent plus compte que ce qu'elles sont en train de faire est en train de détruire la société. Et si on ne fait pas attention, la société va exploser. Je ne vois pas comment ça se passe. La réponse de M. Clément ? Eh bien, je pense exactement comme Mme Alonso. Vous pouvez applaudir aussi. On se croirait à l'Assemblée. Non, parce que là, on est d'accord. Juste un mot, Perry, qui n'a pas beaucoup de... Juste un mot. Ce que je voudrais signaler, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Simplement, une chose, c'est qu'il faut arrêter de penser, ou en tout cas de faire croire au public et à tout le monde, aux populations françaises, que sous prétexte qu'il y a 20 mecs qui gagnent de manière invraisemblable leur vie, si ces gens-là, si ces 20 mecs gagnaient moins leur vie, la France entière ne vivrait pas mieux. C'est pas vrai. Faut arrêter ce délire. Ok, ça c'est une chose. C'est très bien. Donc la démagogie de dire si lui gagnait moins, moi je gagnerais plus, c'est faux. Par contre, il faut légiférer, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Gérard, un dernier mot très bref. Je suis sensible au fait que vous êtes pour la cohésion sociale, moi aussi. Je voudrais vous faire un cadeau sérieux. C'est un cri de colère, bien plus fort que celui que j'ai poussé ici ou qu'Isabelle Alonso a pu pousser. C'est un livre que je conseille à tout le monde, qui est terrible sur les patrons, qui s'appelle « Je hais les patrons » aux éditions du Seuil. Je me permets de vous le donner à lire. Mais ce n'est pas mon cas. Non. Moi, je me permets de vous le donner à lire parce que c'est un livre qui décrit les conditions de vie d'un certain nombre de gens qui travaillent dans ce pays. Je vous le donne sans polémique, sérieusement. Non, mais je vous demande de le lire. Avec un brin de démagogie, mais je le lirai avec vous. Non, attendez. Merci, monsieur. J'ai lu ce livre. Le titre est un peu brutal, j'en conviens. Le contenu est remarquable, franchement. Non, parce que, un dernier mot, si tout le monde haït les patrons, on n'a plus de boulot en France. Je suis d'accord. Alors, attention. En revanche, les injustices, c'est le rôle du Parlement. On essaye justement
justement, de raboter les injustices. Est-ce que nous allons... C'est Gisèle Ginsberg aux éditions du Seuil. Joël est patron. Merci, merci monsieur Pascal Clément, président de la mission d'information sur les droits des sociétés à l'Assemblée nationale, député UMP de la Loire. Hier soir, à la nouvelle discothèque de Johnny Hallyday a eu lieu la 16e édition des 7 d'or. Et si vous avez raté la soirée à la télévision, bah, c'est normal puisqu'elle n'a pas été diffusée. C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive. Cette cérémonie, présentée par Nikos Aliagas, a consacré en tout cas différentes personnalités du petit écran comme Mimati, meilleure comédienne de fiction, Jean-Pierre Pernaut qui a remporté lui le trophée le 7 d'or du meilleur présentateur du JT, Patrick Sébastien pour notre chaîne France 2 a reçu un 7 d'or pour son plus grand cabaret du monde et puis Nikos Aliagas lui aussi a reçu un 7 d'or, il se l'est parmi donc celui qui a remis le 7 d'or de la meilleure émission de télé-réalité à Monsieur Nikos Aliagas, c'est Patrick Mahé, le directeur de Télé 7 jours, grand organisateur évidemment de cette soirée. Avant qu'il nous rejoigne sur ce plateau, regardez Thierry Marquet, notre complice, qui était à la soirée lui aussi. Hein, il mérite des paf, parfois il a testé pour nous, désigner les candidats gagnants des 7 d'or. Caméra cachée, signé Jean-Pierre Petit. Bonsoir Thierry Marquet, j'ai testé désigner les gagnants des 7 d'or. Bravo, bravo. Merci. C'est vous qui avez le 7 d'or ce soir. Ah bon, vous nous le dites. En fait, je vous le dis maintenant pour que tout à l'heure vous puissiez jouer l'effet de surprise à fond. D'accord. D'accord. Non. Vous avez préparé quelque chose ou pas? Non. Ce qui serait bien, c'est de faire un truc assez concis. Ouais. Et on a préparé, nous, des phrases de philosophes. Ouais, ça, ce serait pas mal. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Vous en parlez à Pascal? Je vais en parler à Laurent. À Laurent. Non, c'est pas grave. Moi aussi, je confonds de temps en temps quand je me réveille le matin. En fait, c'est vous qui allez avoir le 7 d'or. Non, sérieusement. C'est pas une blague. Hein. Non, c'est pas une blague. Vous allez avoir le 7 d'or ce soir. Vous êtes sûr? Ce soir, ah, oui. Sinon, je vous le dirai pas. Vous avez préparé quelque chose ou pas? Ben, je sais pas. Parce qu'en fait, on dit que le 7 d'or, c'est un peu plombant. Ce qui serait bien, c'est de faire un truc concis et de rajouter une citation pour que demain, la presse en parle normalement. Je ferai ce que j'ai à faire. J'attends quand même la surprise. C'est dans combien de temps? C'est dans 25 minutes. D'accord, je prépare. Combien de temps il faut que ça dure? Très court, parce qu'on est très, très pressé. D'accord, okay, comptez sur moi, ça sera pas long. Vous avez rien préparé, c'est qu'on a préparé des petites phrases, des citations. Vous me les donnez? C'est comme ça, j'ai choisi. Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. Vous allez avoir le 7 d'or pour sans aucun doute. Ah bon? Ce qui serait bien, c'est de préparer un petit discours. D'accord. Vous avez rien préparé? Non, rien du tout. Mais je vais prendre vos notes. Je vous laisse une feuille? Ouais, laissez-moi une. Merci, parce que sans vous... Non, mais jouez l'effet de surprise quand même. Ouais, bien sûr. Rendez votre nom, c'est... Je suis un comédien avant tout. Ouais. C'est vous qui allez avoir le 7 d'or. Et ce qui serait bien, c'est... Vous en avez l'habitude, c'est de sortir une petite citation courte, le bonheur des gens. On est obligé de faire ça? Vous n'êtes pas obligé, mais ce qui serait bien, c'est que le discours soit préparé et que soit... Mais vous parlez de mon texte, c'est dans ma poche, là. Vous en avez déjà un prévu ou pas? Oui. Montrez-moi. C'est d'or, j'ai une belle manière de fêter un anniversaire qui me tient à cœur à moi et toute l'équipe qui revoit l'émission de 10 ans, ça discute. Non, c'est pour ce qu'il y a l'anniversaire, mais ce n'est pas nouveau. Non, vous inquiétez pas. Mais c'est trop long. Ce qui serait bien, c'est de jouer l'effet de surprise à fond. D'accord. Parce que vous savez que c'est pas du tout prévu. Pas de problème. On va vous remettre un set d'or pour vous rendre hommage. Moi? Oui, à vous. Vous avez préparé quelque chose ou pas? Si, on a préparé des... Vous êtes un peu surpris, je n'ai rien préparé, je ne pensais pas du tout l'avoir. Non, mais moi, ils m'ont pas dit. Hein. Ils vous ont pas mais dit mais en plus, je mérite pas de cette d'or. J'ai rien fait. Laetitia Hallyday, Thierry Marquet. Ça, c'est celui qu'on avait eu il y a 2 ans maintenant, hein, pour la première année de l'émission. On a tout essayé. On n'a pas eu cette année. C'est con parce que j'aurais, pour serrer mes livres dans la bibliothèque, c'était mieux un de chaque côté. On va réclamer. Portons tout de suite une réclamation au responsable, organisateur de cette cérémonie, président, devrais-je dire, cérémonie des 7 d'or. Voici monsieur Patrick Mahé. Bon, finalement, ça va, parce que le 7 d'or qu'on aurait pu avoir pour la 2e fois, c'est Patrick Sébastien qui le reçoit pour le plus grand cabaret du monde. C'est une bonne émission, c'est mérité. Bravo. Et c'est notre chaîne, en plus. Bravo. Parfait. Le relais, le passage de témoin. Et puis leur ce fair play, franchement. Quel fair play, mais enfin, quand quel même. Quel esprit d'équipe. Vous auriez pu faire un effort. Écoutez, la prochaine fois, hein, vous savez, on sera sur France 2. Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce qu'il y a des... Alors, vous allez me dire, non, il n'y a pas de magouille, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas des animateurs qui vous appellent, dites, ce serait quand même bien qu'on le laisse cette année? Ah, ça, mon portable a pas mal sonné, effectivement, depuis plusieurs jours, et j'ai été obligé de le bloquer à la fin d'arrêter, parce que c'était plus supportable.
Soyons clairs, animateur, mais pas qu'animateur, oh là là, non. Directeur producteur, de chien, mais pas pour les pour vous demander si vous aviez des infos, s'ils avaient... Bien sûr, voilà, oui. Voilà, pas pour les magouilles. En fait, j'imagine, c'est ça, on doit, évidemment, ne pas avoir envie spécialement de venir à la soirée si on est perdant. En gros, on doit vous appeler avant pour vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup voilà. Je me déplace, c'est ça Oui, c'est un peu ça. Et ma réponse est toujours la même, c'est je préfère que vous ne veniez pas, je préfère ne pas compter sur vous, plutôt que de vous donner une information que je n'ai pas, parce que le secret est la règle d'or du set d'or. Le secret absolu. Je tiens par exemple, nous, on ne sait pas encore qu'on va l'avoir, là. Bah, le nom, mais vous l'avez déjà. On y croit encore. On donne quelques résultats, vous êtes d'accord? Mais je vous en prie. Alors, Mimi Mati, alors, elle les collectionne, les sets d'or. C'est souvent le public qui les lui donne, faut bien dire. Mais j'ai vu Gérard Miller applaudir, d'ailleurs, fortement. Ah, moi, j'étais... Alors, franchement, si vous m'avez vu, j'ai applaudi tout absolument, le temps. Je j'ai jamais applaudi. Autant applaudi de ma vie TF1, parce qu'ils ont reçu beaucoup de nominations, et j'ai voulu jouer le jeu vous jusqu'au bout. J'ai même applaudi la meilleure émission de télé-réalité. Ah oui. Et j'imagine que la prochaine fois, lorsqu'on proposera la meilleure maladie, j'aurai à choisir entre la peste, le choléra, la typhoïde et la tuberculose. C'est la tuberculose qu'il a, bravo. Si vous le permettez. Il dit ça parce qu'il est un peu à bout de nerfs. Il voulait s'asseoir au premier rang. Il est arrivé, il s'est posé au premier rang. Et là, on lui a dit, écoutez, monsieur Miller, vous êtes gentil. Poussez-vous un peu parce qu'il y a le ministre qui doit arriver. Donc il s'est retrouvé jeté tout seul derrière. Alors que nous, on était en bande, c'était sympa, on se marrait. Et lui, toutes les deux minutes, il se retournait en disant « Hé, les copains, je suis là !» Il s'est retrouvé au fond de la classe. Voilà mais Gérard oui, Miller. Tout seul, jeté. Alors, je vais vous dire, ça est absolument faux, j'ai eu parmi les plus grandes émotions de ma vie hier grâce à vous. Je voulais vous remercier. J'ai été frôlé par M. Pernaud. Mais vraiment, Jean-Pierre Pernaud m'a frôlé. Et il m'a dit quelque chose comme « Excusez-moi ». À un moment donné, les photographes m'ont poussé, je vous assure que c'est vrai tout ça, m'ont poussé dans les bras d'une blonde en me disant Gérard, Elena, Gérard, je ne savais pas qui c'était Elena des Nice People. Ah, Elena, Lenina. Et donc je me suis retrouvé, je ne savais pas s'il fallait copuler en public ou s'il fallait simplement sourire. Et après, j'ai eu l'émotion quand même de ma vie, j'ai vu arriver deux types, l'air plutôt décidé, pas sympathique, j'ai cru qu'ils allaient me foutre un poing sur la gueule, c'était Bataille et Fontaine. Ils m'ont tendu la main, j'ai serré la main. Est-ce de que vous avez Fontaine. Ouvert le rideau, Gérard? Un mot justement sur le set d'or de la meilleure émission de télé-réalité, même si voilà, très objectivement et très franchement, je trouve normal s'il y a un set d'or de la télé-réalité qu'il revienne plutôt à la Star Academy que à l'île de la Tentation, Opération Séduction, je ne sais plus quel était le quatrième, mais enfin... Bachelor, très franchement, des quatre, au moins oui. C'est une émission où les jeunes essaient d'apprendre quelque chose, à chanter, à danser, il y a du boulot, ils ne sont pas là en train de lézarder avec une pluche pendant 3 mois dans un... Voilà ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, il est mérité, Jean-Bernard Hébé, un mot sur les 7 d'or. Alors, j'ai pas regardé, mais ça c'est comme tout le monde. Je n'y suis pas allé parce que je n'étais pas invité. Et il y a un truc que je ne comprends pas. Patrick Mahé est le directeur, organisateur, responsable des 7 d'or et il porte une cravate à l'emblème de la Palme d'or de Cannes. Est-ce que vous quittez le bateau déjà? Alors, pardon, pas du tout. Il s'agit non pas de la Palme d'or, mais de l'emblème des All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise. Pardon, mais qui ressemble, je vous le concède, à la Palme d'or. Mais pourquoi vous êtes excusez-moi, Jean-Bernard, ça serait Stevie qui aurait fait cette boulette, on se serait moqué de lui. Là, Stevie, je boulette, vraiment. Oui, vraiment. Annie Lemoine. Moi, je suis au bord de la dépression depuis hier soir, mais... Pourquoi? Pardonnez-moi, mais j'ai connu un temps, une époque où les 7 d'or étaient... Magnifique, formidable. Non. Ça, c'était quand le téléphone commençait par Carnot 1224, quand tu faisais de la télé. On est le 4 novembre aujourd'hui, il y a 19 ans je commençais la télé, c'est amusant, c'est un anniversaire. Il y a 19 ans Canal Plus naissait. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où les 7 d'or, au Lido, etc., il y a une époque flamboyante où on s'amusait, où on riait. Et hier soir, pardonnez-moi, mais c'était sinistre. Et même les gens de la télévision le disaient, on en est responsable parce que c'est nous qui faisions l'ambiance, on était dans la salle. Mais pourquoi est-ce que c'était comme ça? Alors vite, dépêchez-vous. Non, remettez les 7 d'or à l'image parce que là, je pense qu'on va rire, on va se pousser du coude et on sera un peu moins. Hier soir, c'était terrible. Isabelle. Moi, j'ai une hypothèse sur la relative désaffection pour cette cérémonie et elle tient au nom même de la statuette. Ça fait un petit peu entreprise commerciale, c'est le nom d'un magazine et je trouve que ça manque un petit peu de hauteur de vue. On a les Césars, les Oscars, les Molières, les Victoires. Alors, moi, je pense qu'on devrait donner à cette statuette un nom qui évoque l'histoire de la télévision, qui ne soit pas simplement un set d'or. Moi, je pensais à un Zitrone. Ah.
un Zitrone. Voilà, j'ai eu le Zitrone. Je suis zitronisée. Vous imaginez, tout de suite, ça prendra un certain panache et ça serait en plus exploitable. Il suffit de rajouter un petit socle en bas et ça fait un Z. Z comme Zorro, Zitrone. Enfin, vous voyez. Stevie. C'était vos premiers... Non, vous étiez déjà venu la dernière fois. Mais moi, j'aime beaucoup. Ah, il dit ça parce qu'il a fait la couve, le petit cochon. Non, oh, bah, j'en ai fait plusieurs couvertures de magazines. Bon, mais oui. C'est pas ça. C'est il pas a fait ça. Le monde de l'éducation, il a fait Science et Vie, il a fait plein de... Ça va. Allez, tu dis. Chaque fois, il me coupe dans mon élan, et accrochez-vous, c'est plus ce que je veux dire. Accrochez-vous, accrochez-vous. Enfin bref, et très belle couverture, merci. Très belle photo. Beaucoup d'ailleurs. Merci. Et voilà, il fait son marché. Et pour les 7 d'or, eh bien moi j'aime beaucoup les 7 d'or. Je sais pas, je trouve ça sympa de remettre des prix en plus. C'est vrai qu'il faut quand même parler du look du 7 d'or, je sais pas. Moi je le trouve très beau. Il en voudrait un sur sa cheminée. Mais non, j'en voudrais un sur ma cheminée, mais en plus j'aurais dû prendre celui de Benjamin Castaldi, parce que quand Love Story avait gagné, et lui il a pris le 7 d'or, il l'a dédié à Flavie Flamand, alors que minimum c'était de nous le redonner à nous, parce que c'est quand même nous qui avons fait Love Story et pas eux. Oui, voilà. Mais vous couchez pas avec Castaldi, vous. Bon, heureusement. C'est pas elle, t'as raison, t'as raison. Moi, je soutiens. Je me rappelle. Et moi, j'ai même pas voulu me lever, j'étais dans la salle pourtant. Et j'ai même pas voulu me lever. Je dirais juste là-dessus, j'étais aussi dans la salle, je trouve tout à fait que tu as raison. Je trouve scandaleux que non seulement tu étais un des très rares de Love Story à être dans la salle, je sais pas si tu étais même peut-être le seul, qu'en plus, aucun des gens de Love Story en bénéficiait alors que c'était l'animateur. Je trouve ça absolument... Ça dit aussi ce que c'est que cette télé-réalité, excuse-moi. Perry, pour conclure. Oui, je voudrais savoir comment se fait-il que des animateurs ou des présentateurs comme Drucker, Ardisson, Fogiel, et j'en oublie peut-être, n'étaient pas présents et n'étaient même pas dans la liste. Cette année. Non, non, mais ils n'étaient même pas dans la liste. Comment se fait-il alors que c'est le public qui vote? Non, ils étaient dans la liste au départ. Bon, ils n'étaient pas dans le quarté final, si j'ose dire, mais c'est un quarté sur 25 ou 30 partants, quand même. Il faut quand même s'en souvenir. Ils ne sont plus aimés? Oh non, on ne peut pas dire ça. Je pense que pour... Bon, d'abord, Thierry Ardisson était présent à travers vous, finalement, dans les nominations. Bien sûr, car vous étiez nommé. Et puis, Marc-Olivier Fogiel était dans une mauvaise catégorie. Mais c'est la chaîne qui l'a placé dans la catégorie du divertissement, alors qu'il aurait dû être en débat et société. Il vous en veut, hein, Marc. Vous avez vu ce qu'il a dit ce matin dans le Parisien? Ah non, non, il vous en veut vraiment. Attendez, je vais essayer de retrouver où est-ce que c'est, ça. J'aime bien foutre la merde. Alors, lui aussi, d'ailleurs. Il dit, Marco, de toute façon, je n'y vais jamais. Même si j'avais fait partie des nominés, je ne serais pas venu. Les 7 d'or, c'est un non-événement. Oui, enfin, moi, l'après-midi, je l'avais au téléphone. Il me disait, bon courage, vas-y, bonne soirée, tout va bien. Donc finalement, Marco avait raison d'ailleurs de nous souhaiter bonne chance, parce que ça a marché. Et on le salue bien d'ailleurs, Marco, si tu nous regardes. Ben alors, qu'est-ce qu'il raconte alors, Marco? Il se fait mousser. Parole. Bon, ben très bien. Signalons aussi que bientôt, vous pourrez voter, je peux le dire, parce que, on peut l'annoncer. Vous pourrez bientôt voter pour les coups de gueule et les coups de cœur des animateurs de cette émission. Vous retrouverez dans Télé 7 jours. Ce sera à vous de voter pour les coups de gueule et les coups de cœur de l'année. Et on fera un petit sondage comme ça pour voir si vos votes correspondent à ceux de Gérard Miller, Annie Lemoine et les autres. Vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission. C'est un jeu, ça s'appelle le Tacafini. J'imagine que vous lisez beaucoup vos confrères de la presse écrite. Oui, bien sûr, oui. Alors peut-être vous allez avoir des facilités à compléter ces phrases relevées dans les quotidiens du jour. Michel Drucker qui dit « Figurez-vous qu'en me réveillant ce matin, j'ai pris la décision de... » Vous savez ? Alors, de prolonger ma carrière de 10 ans pour avoir un 7 d'or d'honneur au bout de 50 ans de carrière. Bravo, voilà, de faire la télé pendant encore 10 ans, dit Michel Drucker. J'ai un scoop pour Télé 7 jours. D'accord, hein. Vous allez bientôt pouvoir faire une photo sur la réconciliation entre Gérard Miller et Michel Drucker. Ben ça, nous en rêvons. Mais c'est, Gérard, c'est vrai ou pas? C'est absolument. Vous avez déjeuné avec Michel la semaine dernière. J'ai déjeuné avec lui vendredi dernier. Et nous avions d'ailleurs définitivement réconcilié. Bravo, Gérard. Kevin Keegan, entraîneur de Manchester City. Manchester City. Et il déclare ce matin, il n'y a pas de problème avec Nicolas Anelka. Il faut savoir qu'Anelka n'a pas joué le dernier match. Il n'y a pas de problème avec Anelka. Demandez-lui quoi? Ça, c'est beau comme du Luis Fernandez cherchant Ronaldinho dans les boîtes de nuit. Demandez-lui ce qu'il faisait sans doute la nuit ou le soir. Non? Alors, ça veut dire ça, mais c'est encore plus malin que ça. Demandez-lui. J'ajouterai le si pour que ce soit plus facile. Demandez-lui si. Si on peut mettre la main sur lui, si on peut le retrouver, non? Bravo, exactement. Si vous pouvez le trouver, demandez-lui. Ophélie Winter, qui fut une des blondes célèbres de la télévision, avant de se lancer évidemment dans la chanson et dans le cinéma, puisqu'elle sera à l'affiche de Mauvais Esprit avec Thierry Lhermitte et Maria Pacaume.
Alors elle déclare, Ophélie Winter, c'était un tournage super. Super quoi? Elle ajoute, super génial. Ouais, super. Super chiant. Ah! Non, je sais pas, enfin bon... Super galère. Super. Alors, chiant, c'est le premier mot, bravo. Ah, bah voilà, non. Non parce vous que connaissez comme... bien les non, stars, mais quand même. Mauvais esprit, bon... Elle a mauvais esprit. Non, mais je fais... Enfin bon, parfois, il lui arrive de se lâcher un peu. Alors, chiant, elle l'a dit, après. Long, long, bravo, exactement, chiant, long. Et ensuite... On dit rarement ça d'un tournage, d'habitude. Mal payé. Pas mal payé, non. Et un tournage où... Il y a une mauvaise ambiance. Oui, où tout le monde s'engueulait. Bravo, Isabelle Alonso. Elle dit du bien du film ou pas après parce que après, oui, elle dit du bien du film. Ah. Le film s'appelle Mauvais Esprit, c'est avec Maria Pacôme, c'est déjà une bonne raison pour aller le voir. On termine par notre véliplanchiste bretonne qui a traversé le Pacifique hier. Elle déclarait encore ce matin « Je ne dépliais ma carte que progressivement pour ne pas voir le chemin, restait à parcourir. » Exactement. Bravo Annie Lemoine, bravo Isabelle Alonso. Bravo. Je me rends le... On va se gêner. Non, parce que je voudrais pas que vous repartiez avec. Je l'ai gagné il y a 2 ans. Hein, voilà. Je le garde. On le garde à vie. Oh, à vie, à vie. Oui. Regardez le mien. En fait, je vais vous dire, j'ai triché. Il est gravé. Que... Non, c'est pas ça. C'est que le mien, il est vraiment à la maison. C'est pas celui-là. Et celui-ci, c'est marqué « Meilleure émission culturelle ». C'est vous dire que c'est voilà. Et voilà. C'est celui de Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, il y a 2 ans. C'est celui d'Ardisson. Merci Thierry. Au revoir, merci Monsieur Maillet. À demain, merci bye beaucoup. Bye.